Ce jour-là, le président américain Donald Trump fait une annonce fracassante. Les États-Unis accusent l'Iran de développer en secret sa bombe nucléaire, malgré un accord signé en 2015. Last week, Israel published intelligence documents long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. And we will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on Earth. Donald Trump était hostile à cet accord depuis le début, mais pour le rompre, il lui fallait des arguments, prouver que l'Iran ne respectait pas ses engagements. Et c'est le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, qui l'y a aidé. Une semaine plus tôt, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, organisait une spectaculaire conférence de presse à Tel Aviv, au siège du Mossad. En février 2018, les espions de l'agence israélienne auraient découvert l'emplacement top secret d'un entrepôt de la banlieue de Téhéran, entrepôt dans lequel étaient stockées toutes les archives du programme nucléaire iranien. This is where they kept the atomic archives, right here. Few Iranians knew where it was. Very few. And also a few Israelis. Now, from the outside, this was an innocent-looking compound. It looks like a dilapidated warehouse. But from the inside, it contained Iran's secret atomic archives locked in massive files. En une nuit, les agents du Mossad seraient parvenus à pénétrer dans le bâtiment, voler plus de 500 kilos de matériel ultra confidentiel et repartir en Israël sans alerter les Iraniens. And here's what we got. 55,000 pages. Another 55,000 files on 183 CDs. Well, tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied. En réalité, tous ces documents ne remettent pas en cause l'accord de 2015. Ils prouvent seulement que l'Iran a menti sur ses activités nucléaires jusqu'au début des années 2000. Mais l'opération du Mossad, qui a mobilisé pendant des mois une centaine d'agents, est tellement spectaculaire qu'elle prouve une fois de plus l'efficacité du service de renseignement israélien et son impact sur la marche du monde. C'est un coup de théâtre formidable, ça renvoie à tout le monde un message. On est au courant de tout, on peut tout faire, on peut tout attendre. Le Mossad est un service d'espionnage qui mène énormément d'actions. Dans 99% des cas, personne n'est au courant de rien. C'est un service qui est connu pour son efficacité, pour sa capacité à pénétrer des milieux difficiles et qui est aussi connu pour ses erreurs. Tu peux voler, tu peux mentir, tu peux te battre. Et dans certains cas extrêmes, tu peux tuer. Ils ont des vrais intérêts de survie, et c'est ça le principal moteur du Mossad. Ajoutez-y des aspects paranoïaques, parfois des dirigeants qui sont des durs de durs. Ça donne un cocktail assez explosif. Les menaces existentielles qui pèsent sur l'État d'Israël, c'est notamment la puissance iranienne. Ne pas trouver l'origine de la panne devait les rendre fous. Ce professeur Meshad avait été choisi par Saddam Hussein pour superviser le programme nucléaire.
Ce sont trois charges de plastique qui, en explosant cette nuit, ont détruit un lot très important d'éléments destinés à l'industrie nucléaire. Et quand bien même il s'agit là d'une chose terrible, immorale, désagréable, on ne peut rien y faire, car nous sommes en guerre. C'était une opération très complexe, parce qu'il fallait trouver la personne capable de mener à bien une telle mission. Ils se sentaient investis d'une mission. Ils avaient le sentiment de bâtir un pays et ils croyaient à la justesse de leur cause. Nous sommes en juin 1948. Le premier ministre israélien, David Ben-Gourion, a convoqué une poignée d'hommes chargés du renseignement pour une réunion secrète à Tel Aviv. L'État hébreu existe depuis seulement quelques semaines et il est déjà en guerre, attaqué dès sa création par une coalition de pays arabes voisins. L'État d'Israël allait être déclaré le 14 mai 1948 et les lendemains, les États arabes qui ont rejeté la décision des Nations Unies envahissent le territoire qui était alloué à l'État juif. Pendant cette guerre de libération, il s'est avéré que le renseignement n'arrivait pas à fournir les informations dont l'armée avait besoin. Le manque de renseignements militaires est devenu très alarmant, car nous avions en face de nous des armées régulières. Ce n'étaient plus les accrochages habituels avec les Palestiniens. Ben-Gourion en a conclu qu'il fallait réorganiser tous les services de renseignement. Il a été décidé pendant cette réunion de former trois organes. Un service de renseignement intérieur, un service de renseignement militaire et un dernier qui serait dédié à l'espionnage et à la collecte d'informations en dehors des frontières d'Israël. L'idée était que nous devions fonder une organisation quasiment mondiale, parce que les intérêts de l'État d'Israël ne se trouvaient pas seulement à l'intérieur de ses frontières, très limitées à l'époque, mais aussi dans les pays voisins, les grands pays influents. Et évidemment, cette organisation aurait un devoir de protection envers les Juifs du monde entier. Le temps que ces nouveaux services s'organisent, Israël remporte la guerre. L'État hébreu est parvenu à agrandir son territoire en s'appropriant des terres désertées par les Palestiniens. Mais une partie de Jérusalem est désormais occupée par les Jordaniens et la menace est toujours là. Cette guerre est vécue à la fois comme une victoire, mais aussi comme un traumatisme. La peur de disparaître était toujours présent. Ben-Gourion l'avait dit, les Arabes peuvent se permettre de perdre souvent et recommencer. Israël n'a pas le luxe de se permettre une défaite militaire. Quelques mois plus tard, le Mossad, l'Institut pour le renseignement et les affaires spéciales, est officiellement créé. Il va devenir au fil des décennies l'un des services secrets les plus craints de la planète. Il va s'illustrer dès les premières années par des opérations spectaculaires,
permettant à l'État hébreu de s'imposer sur la scène internationale. En avril 1961, Israël s'apprête à juger sur son propre sol l'un des plus grands criminels nazis de la Seconde Guerre mondiale, le logisticien de la solution finale, Adolf Eichmann. L'audience est alors diffusée dans le monde entier. Ich habe erklärt, ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden zu jener Zeit. Eid ist Eid. I saw my mother, my small brother and uncle and other Jews included in the group of those people who were found out. And my little brother then told me later that they were beaten severely. And then we marched together in that direction where we were driven. On peut dire qu'il s'agit d'un procès pour l'exemple, presque une exhibition. L'impact du procès sur la société israélienne fut extraordinaire. Le procès était retransmis par la radio publique. Il n'y avait pas la télévision à l'époque en Israël. Et les gens sortaient, leur radio sur l'épaule, pour suivre les audiences. Le procès était retransmis en direct. La Shoah est devenue un sujet qu'il était légitime d'évoquer, dont on pouvait débattre, et ce, sans en avoir honte. Le procès d'Eichmann permet à Israël d'écrire une grande page de son histoire. Mais il n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention des premiers agents de ses services secrets. Au départ, le Mossad ne dispose que de quelques dizaines d'agents. Difficile de concurrencer leurs homologues de la CIA américaine ou du KGB soviétique. Mais leur détermination va les faire entrer dans la cour des grands. Dès 1952, je suis devenu le commandant de l'unité opérationnelle. Un tiers des agents étaient des rescapés de la Shoah, qui étaient en Israël depuis à peine 2 ans. Les jeunes juifs sionistes à cette époque, surtout les rescapés de la Shoah, avaient un objectif clair, maintenir un État juif pour le peuple juif. Ils se sentaient investis d'une mission. Ils avaient le sentiment de bâtir un pays. Il y avait une forte cohésion politique et ils croyaient à la justesse de leur cause. Le Premier ministre Ben-Gourion va rapidement mettre à contribution ce nouveau service pour écrire l'histoire de son pays. Une opportunité se présente. Un ancien haut responsable nazi se serait réfugié en Argentine, échappant ainsi à toute forme de procès. En février 1960, 2 agents du Mossad sont envoyés à Buenos Aires. Selon leur informateur, Adolf Eichmann vivrait ici, sous une fausse identité. Ils ont réussi à trouver son adresse. C'était rue Garibaldi, dans un quartier qui s'appelait San Fernando. C'était un quartier en construction. Il y avait encore très peu de maisons. Thank you.
les agents du Mossad recherchent un homme du nom de Ricardo Clement, contremaître dans une usine automobile. Ils décident d'abord de le prendre en photo à la sortie de son domicile. Il n'y a aucun doute possible. Ricardo Clement n'est autre qu'Adolf Eichmann. Et il est sans protection. Depuis Tel Aviv, le Premier ministre Ben-Gourion demande à ses agents l'impossible. Capturer l'ancien nazi et le ramener clandestinement en Israël sans alerter les autorités militaires argentines. Cela pourrait engendrer une crise diplomatique dont l'État hébreu n'a pas besoin. Et c'est ainsi qu'il a ordonné au Mossad de ne pas éliminer Eichmann. Il aurait été simple de le supprimer en Argentine. Mais justement, il voulait que tous les efforts soient concentrés sur sa capture pour le ramener en Israël et organiser son procès à Jérusalem. Ben-Gourion a compris que c'était là une occasion extraordinaire de faire émerger la question de la Shoah, du lien entre la Shoah et la création de l'État d'Israël. Après 3 mois de préparation, l'opération est définitivement lancée. Ce soir-là, 4 agents du Mossad sont postés près du domicile d'Eichmann et attendent qu'il rentre du travail. Eichmann arrive à l'endroit prévu. L'un de mes collègues l'attrape avec un mouvement de jiu-jitsu. Nous venons l'aider comme c'était prévu. Moi, j'attrape la tête, un deuxième les pieds et un troisième le torse. Et on le tire vers la voiture. Moi, je suis sur la banquette arrière, la tête d'Eichmann sur mes genoux. Eichmann est alors conduit dans un lieu secret, en attendant la suite du plan. On monte Eichmann dans la chambre qu'on lui avait préparée. On le déshabille complètement. Notre médecin vérifie ses dents pour voir s'il a une capsule de cyanure. Ensuite, mon collègue Zvi lui demande en allemand « Comment tu t'appelles ?» Il répond « Je m'appelle Ricardo Clement. » Zvi insiste « C'est faux. Quel est ton matricule SS ?» Il finit par nous le donner. Et maintenant, quel est ton nom? Adolf Eichmann. Les agents du Mossad ont choisi un jour particulier pour faire sortir Eichmann du pays, en toute discrétion. Un jour de fête nationale, le 150e anniversaire de la Révolution argentine. Ce jour-là, des dizaines de délégations étrangères débarquent à Buenos Aires pour participer aux cérémonies. Nous nous sommes coordonnés avec notre ministère des Affaires étrangères afin qu'il envoie une délégation. C'est le Mossad qui a affrété l'avion et pris en charge toutes les dépenses. Les agents, déguisés en personnel navigant, vont profiter de la cohue générale à l'aéroport. Ils escortent tranquillement Eichmann jusqu'à l'avion privé de la délégation israélienne. 2 ans plus tard, Adolf Eichmann sera condamné à mort et exécuté. Et c'est à ce moment précis que se forge le mythe du Mossad.
C'est un moment charnière qui définit les relations entre Israël et le reste du monde. À partir de là, le Mossad construit son image qui perdure encore aujourd'hui, celle d'un service omnipotent, tout-puissant, et qui peut atteindre n'importe quel point du globe. Mais c'est surtout sur le terrain stratégique et militaire que le Mossad va permettre à Israël de s'illustrer. En août 1966, l'armée de l'État hébreu dévoile à la presse mondiale une prise exceptionnelle. Un avion de chasse MiG-21, fleuron de l'aviation soviétique, et dont disposent de nombreux ennemis d'Israël. Le MiG-21, c'était du sérieux. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les Américains étaient engagés au Vietnam et se battaient contre des MiG. Et même les Américains n'avaient pas réussi à se procurer l'un de ces avions. Malgré leur puissance financière et leur CIA, ils n'avaient pas pu capturer le meilleur avion de guerre de leur ennemi, l'URSS. Les petits Israéliens, eux, l'avaient fait. Le MiG est d'abord resté en Israël. Puis il a été envoyé aux États-Unis pour être démonté, étudié et observé. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'Israël ait fait aux États-Unis. Un cadeau stratégique que l'on doit au service secret israélien. Au début des années 60, la stratégie des pays arabes était de se débarrasser de l'État d'Israël par la force militaire. L'État le plus puissant, c'était l'Égypte, une armée puissante, des chars, des avions de chasse, des blindés sophistiqués et en grande quantité. L'armée égyptienne dispose notamment de MiG-21, ces avions de chasse redoutables que les Soviétiques ont vendus à plusieurs pays arabes. Le Mossad est alors sollicité pour voler un de ces appareils à l'ennemi. C'était une opération très complexe, parce qu'il fallait trouver la personne capable de mener à bien une telle mission. Le service de renseignement va alors chercher un pilote de MiG-21, un pilote qui serait susceptible de trahir son pays. En 1965, les agents en trouvent un, en Irak, le capitaine Mounir Redfa. Le capitaine Mounir Redfa est chrétien, pilote au sein des forces aériennes irakiennes. Le pouvoir étant musulman, il est frustré de ne pas recevoir d'avancement au sein de l'armée à cause de sa religion. Le Mossad prend alors contact avec lui et organise une rencontre dans un pays neutre. Il a fallu mettre en place une excellente couverture pour qu'il puisse voyager sans éveiller des soupçons. Il a commencé par donner des détails sur les pilotes, sur les avions et même sur les relations au sein de l'armée de l'air irakienne. Alors les agents ont décidé de monter d'un cran et lui ont demandé « Quelle est la probabilité que tu puisses nous obtenir un MiG-21 ?» Ils lui ont fait la proposition d'une manière très directe. « Es-tu prêt à faire désertion à bord de ton avion ? Et que demandes-tu en échange ?» Mounir Redfa était sidéré. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a d'abord dû se remettre du choc. Il faudra organiser plusieurs rendez-vous secrets pour convaincre le pilote.
le patron des services de renseignement en personne viendra à sa rencontre. Il voulait c'est faire sa propre idée de l'homme avec qui Israël allait s'engager dans une partie assez compliquée. Et le pilote finit par accepter. Il demande en échange l'exfiltration de toute sa famille vers l'État hébreu. Le 16 août 1966, le pilote irakien doit effectuer un vol d'entraînement sur son MiG-21. Sa famille est déjà à l'abri. La veille, le Mossad lui a envoyé un message secret pour passer à l'action. Le sort de l'opération est désormais entre ses mains. Il suit les instructions qu'on lui a données. Il prend un certain couloir aérien à une certaine altitude. Il coupe sa radio au-dessus des territoires irakiens et jordaniens. La tour de contrôle irakienne ne cesse de l'appeler, mais il ne répond pas. Quand il approche de la frontière israélienne, il est pris en charge par deux chasseurs de notre armée qui l'escortent jusqu'à un aéroport militaire près de Tel Aviv. Cette prise du Mossad est exceptionnelle. Mais la véritable force du service de renseignement, ce sont ces espions envoyés dans tous ces pays ennemis. Depuis le début des années 60, le nouveau patron, Meir Amit, a voulu faire de ses agents les plus performants au monde. Sous la direction de Meir Amit, les méthodes de recrutement évoluent. Jusqu'ici, cela a marché essentiellement au bouche à oreille. Amit impose des méthodes plus perfectionnées, plus modernes. Un département de formation est créé avec ses propres logos. Mais avant d'arriver jusqu'à ce lieu de formation, il fallait avoir passé une longue série d'épreuves. Des examens psychométriques, des tests de personnalité, d'orientation, de langue. Il vérifie ton aptitude à avoir deux vies parallèles. D'un côté, tu dois rester qui tu es, une personne sur qui on peut compter, quelqu'un d'honnête. Et de l'autre, tu dois être manipulateur et rusé. Il faut également savoir improviser. Par exemple, l'instructeur vous emmène en ville, vous montre un balcon au cinquième étage d'un immeuble et vous dit « Je veux te voir dans 10 minutes à ce balcon, un verre d'eau à la main, en train de parler au propriétaire des lieux. » Je me souviens que nous étions plus de 1500 candidats au départ, puis de moins en moins. L'entraînement a duré 6 ou 8 mois, les mois les plus intensifs de ma vie. Lors de la cérémonie d'admission, il y avait plus d'instructeurs que d'élèves autour de la table. Nous n'étions plus que 5 ou 6 hommes et une femme. Le Mossad envoie ses espions surentraînés dans toute la région, en Syrie, en Jordanie, en Égypte et en Irak. Ses voisins arabes n'ont pas abandonné l'idée de détruire l'État hébreu. Et une nouvelle guerre est imminente.
En juin 1967, fort de toutes les informations glanées en territoire ennemi, l'État hébreu décide de frapper en premier. Une attaque éclair dans le Sinaï contre son ennemi le plus puissant, l'Égypte, au petit matin, quand tous les avions de chasse sont au sol. Les avions égyptiens ont été détruits par surprise en l'espace de 3 heures par l'armée de l'air israélienne. 3 heures qui ont prouvé l'efficacité de notre aviation grâce aux renseignements précis que le Mossad avait collectés sur les aérodromes et les bases égyptiennes. Les quelques MiG-21 égyptiens, qui sont malgré tout parvenus à décoller, sont abattus dans les airs. Au soir de la première journée de guerre, l'aviation égyptienne est détruite, assurant un avantage décisif aux forces israéliennes, qui lancent alors une offensive terrestre. Dans le Sinaï, les civils sont en première ligne pour assister à la débâcle de leur armée. On voit arriver des soldats qui courent dans un état d'effarement. Et voilà, puis la panique, les sanglots. Un moment très difficile, très difficile. En pleine offensive, les agents du Mossad sont sur le terrain. Par l'intermédiaire d'une radio, ils mènent une guerre psychologique pour décourager les Égyptiens qui seraient tentés de résister. Cette radio a eu un rôle très important parce qu'ils étaient très, très bien informés. Ils donnaient le nom des lieux où la résistance cachait ses armes, le nom des personnes impliquées dans la résistance et leur conseillaient de ne pas y aller. Ils faisaient des appels pour expliquer que les dirigeants arabes nous avaient menti, qu'il ne fallait plus leur faire confiance. C'était un rôle psychologique très important. Les pays qui soutiennent l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et l'Irak entrent dans le conflit. Mais l'armée israélienne réussit un tour de force, chasser les militaires jordaniens qui occupait Jérusalem depuis la guerre de 1948. Tsahal prend le contrôle de la ville et atteint le mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme. C'est le symbole le plus fort de la victoire de 67, le rêve d'arriver à Jérusalem, de vivre à Jérusalem, fait partie de l'ADN du sionisme dès le début. Il y avait une vague d'euphorie et d'émotion très, très forte. En à peine 6 jours, les armées égyptiennes, irakiennes, syriennes et jordaniennes sont défaites et Israël étend encore un peu plus son territoire. À l'occasion de cette guerre et de cette grande victoire, Israël s'est agrandi. Elle a conquis la Cisjordanie, Gaza, le Golan. Cela a donné au pays une nouvelle position, une assise dans le monde. Une fois encore, le rôle du Mossad a été décisif. Mais l'Institut va par la suite construire sa légende sur d'autres actions, à savoir de sanglantes campagnes d'élimination de ses ennemis aux quatre coins du monde, une chasse à l'homme qui va commencer après l'attaque des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Des Jeux Olympiques en Allemagne qui doivent faire oublier ceux de 1936. Ils avaient servi de propagande au régime nazi. À cette occasion, symboliquement, Israël a envoyé une importante délégation de sportifs.
Mais 10 jours plus tard, les jeux tournent au cauchemar. 9 membres de la délégation israélienne sont pris en otage par une dizaine de terroristes lourdement armés. Une attaque qui est retransmise en direct à la télévision. C'était un choc terrible. Nous espérions beaucoup qu'ils soient libérés. Le pays entier était pétrifié, et moi aussi. Les terroristes se revendiquent de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Ils exigent la libération de 238 militants de leur cause emprisonnés en Israël. L'État hébreu n'a pas du tout l'intention de céder et envoie sur place le patron du Mossad, Zvi Zamir. Cependant, la police allemande entend garder la main sur l'opération. Et après des heures de négociations, ils acceptent d'aider les terroristes à quitter le pays avec leurs otages. Ils espèrent ainsi profiter de ce transfert pour leur tendre un piège. Et le patron du Mossad, lui, craint le pire. Aujourd'hui encore, lorsque Zvi Zamir raconte ce qui s'est passé là-bas, il a maintenant plus de 90 ans, il pleure d'émotion. Il dit que jamais il ne pourra oublier cette image des otages marchant comme des taureaux que l'on conduit à l'arène pour une corrida. Du bétail. Les terroristes et leurs otages sont emmenés en hélicoptère sur un aéroport militaire où un appareil les attend. Depuis la tour de contrôle, Zvi Zamir suit l'opération. Lorsque soudain, des snipers allemands postés aux alentours ouvrent le feu. Au début, on avait des informations par les agences de presse sur place et par la télévision. On a cru que la mission avait réussi. Qu'on les avait exfiltrés, qu'on les avait libérés. Israël était en liesse. Au milieu de la nuit, Zvi Zamir appelle la première ministre de l'État hébreu, Golda Meir. Elle lui dit, Zvika, tout s'est bien terminé? Ils les ont libérés? Il lui répond, non, Golda. Ils sont tous morts. Elle lui dit, mais on a vu aux informations qu'ils les avaient libérés. Il lui répond, non, je suis sur place. J'ai assisté au fiasco de l'opération allemande. Ils sont tous morts. À peine le pied posé sur le tarmac, les terroristes ont senti le piège et sont retournés aux hélicoptères. Après 2 heures d'échange de coups de feu, ils sont certes neutralisés, mais ils ont eu le temps d'abattre leurs 9 otages israéliens. De la même façon que tous les Américains d'un certain âge se rappellent le moment où ils ont entendu que Kennedy s'était fait tirer dessus, tous ceux de ma génération se souviennent des cercueils des Israéliens assassinés à Munich. Que quelques années seulement après la Shoah, des Juifs aient pu être assassinés comme ça, sur le sol allemand, des Israéliens. Ça a été un choc terrible, un traumatisme pour tous les Israéliens. Nous nous demandions tous, comment cela a-t-il pu arriver? Et comment empêcher que cela se reproduise? Ce traumatisme a conduit le gouvernement israélien à prendre des mesures exceptionnelles. La première ministre Golda Meir, qui est la première femme à occuper ce poste, décide de répondre à la violence par la violence,
Mais pour elle, Septembre Noir n'est qu'une façade. À ses yeux, le véritable commanditaire de ces actions terroristes, c'est l'OLP, l'organisation palestinienne de Yasser Arafat. Elle veut alors la décapiter, éliminer un par un tous ses dirigeants. Et cette mission, elle va bien sûr la confier au Mossad. On avait trois objectifs. Le premier était de dissuader l'autre camp de mener des actions terroristes. Le deuxième, c'était la rétribution. C'est-à-dire que ceux qui s'aventurent à mener des attaques terroristes sachent qu'ils le paieront de leur vie. Le troisième objectif était l'idée de donner aux habitants d'Israël et plus largement à tous les Juifs du monde, le sentiment qu'Israël était un pays fort, qui pouvait vaincre le terrorisme. Une liste de cibles est établie. Dès que l'une d'entre elles sera localisée, un tribunal de Londres, dirigé par la première ministre Golda Meir, donnera son feu vert à l'exécution. L'autorisation finale était donnée par le gouvernement par un comité de trois ministres. Ils faisaient attention aux conséquences diplomatiques de chaque opération, des risques, des retombées. Un mois seulement après le massacre du Munich, le Mossad envoie ses agents aux quatre coins de l'Europe. Je pense qu'il y a eu 20-25 agents impliqués dans ces opérations d'élimination. Ils passaient de pays en pays. Tous avaient des couvertures et de faux passeports étrangers. En amont, on leur prévoit des lieux sécurisés, des appartements secrets. On leur envoie d'Israël par courrier diplomatique tout ce qui est nécessaire à l'opération. Les armes à feu, les faux documents. Une première équipe arrive en France en septembre 1972. L'une de ces cibles s'appelle Mahmoud Amchari. C'est un intellectuel de 33 ans, traducteur de profession, considéré ici comme un modéré et régulièrement interviewé par les médias français. Est-ce qu'on peut s'attendre à une campagne de terrorisme déclenchée par les Palestiniens en France ? Il n'y aura jamais des attaques pareilles contre la France à cause de la position politique qu'ils portent. Alors donc, un Munich est absolument impossible en France ? Impossible. Impossible. Parce que pour nous, nous nous considérons que le peuple français est un peuple ami et la France, il a comme État, il a la meilleure position de l'Europe envers nous, comme il l'a cité d'ailleurs le président Pompidou, en disant qu'on n'élimine pas le terrorisme palestinien quand on ne résoudra pas le problème essentiel, qui est le problème d'un peuple, c'est le peuple palestinien. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez vivre tranquille en France ? Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie ? Pour nous, pour moi, non. Mais je pense qu'il ne faut pas tenter le bien. Contrairement à son image dans les médias français, et évidemment dans les médias palestiniens, celle d'un homme inoffensif, un intellectuel, un écrivain installé à Paris où il vit en paix, Amchari était un personnage central de l'OLP. On sait qu'il a notamment abrité un tueur palestinien, accusé d'avoir voulu exécuter un homme du Mossad à Bruxelles. Ce jour-là, Mahmoud Amchari est chez lui avec son épouse française et leur petite fille âgée d'un an. Lorsque leur cible se retrouve seule dans l'appartement, les agents du Mossad déclenchent à distance le téléphone piégé du domicile. «
Mahmoud Amchari décédera de ses blessures à l'hôpital. Sur le terrain, c'est la cellule elle-même qui décide comment va se passer l'élimination. Ça peut être par empoisonnement, ça peut être avec une bombe, avec une arme à feu équipée d'un silencieux. Tout dépend de l'objectif, des possibilités de l'atteindre et des circonstances. À la suite de cela, d'autres Palestiniens sont morts dans diverses circonstances. Le lit de l'un a explosé. Pour un deuxième, c'est son téléphone. Un troisième, sa voiture. Au total, 4 assassinats perpétrés à Paris par le Mossad en moins d'un an. Et aucune réaction des autorités françaises. Nous décidons d'agir en assumant le risque impliqué. Dans la majorité des cas, les pays occidentaux ont compris et intégré cela. Tant qu'il ne s'agit pas de nuire à leurs propres intérêts, mais de cibler un individu qui opère chez eux, ils tolèrent. Il y a une forme d'indulgence pour Israël, effectivement. Parce que c'est lié à l'histoire de cet État très particulière. De la même manière que quand Israël utilise des faux passeports du Canada, d'Allemagne, d'Italie, de n'importe où, pour faire des opérations et faire circuler ses agents, vous n'entendrez pas des protestations trop vives de la part de ces pays. Une relative impunité qui permet parfois aux agents du Mossad d'agir au grand jour. C'est le cas à Beyrouth, en 1973, un petit groupe arrive par bateau pour un raid éclair contre un immeuble de l'OLP. Il connaissait l'étage, il est certain aussi qu'ils avaient les clés. Kamal Nasser a été tué à bout portant d'une rafale d'armes automatiques. Quant à Abu Youssef, il a été exécuté devant sa femme et son fils âgé de 15 ans. En moins d'une heure, 3 dirigeants de l'organisation palestinienne sont abattus devant leur famille et le QG de l'organisation est détruit à l'explosif. Mais la principale cible de cette opération a échappé au Mossad. Il s'agit d'Ali Hassan Salameh. Les Israéliens le considèrent comme le cerveau de Septembre Noir, commanditaire de la prise d'otage de Munich et proche du leader palestinien Yasser Arafat. Ali Hassan Salameh était une figure emblématique de la mythologie palestinienne. C'était le fils d'un leader palestinien, d'un combattant, un commandant de l'armée en 1948. Yasser Arafat a pris soin personnellement de son éducation et a subvenu à ses besoins par égard pour les actions de son père. Quelques mois plus tard, le Mossad retrouve sa trace. Il serait parti se réfugier en Norvège, dans la ville de Lillehammer. Et c'est là que le Mossad va commettre l'une de ses plus grosses bavures. En juillet 1973, 6 agents sont envoyés à Lillehammer. Ils ont localisé Salameh et sont prêts à passer à l'action. Ce jour-là, il se promène dans une rue déserte avec sa compagne. La jeune femme est enceinte, mais cela n'arrête pas l'agent chargé de l'abattre. Mission accomplie, les 6 hommes quittent rapidement la ville, mais les autorités locales sont plus réactives que prévu. Un meurtre à Lillehammer, ce n'est probablement pas arrivé depuis l'époque des Vikings. La police de Lillehammer entre en action, monte des barrages routiers entre Lillehammer et Oslo. Lors d'un contrôle, un policier repère quelque chose de suspect dans une voiture et décide de noter l'immatriculation. Le véhicule est intercepté à l'aéroport d'Oslo. Les agents du Mossad sont arrêtés.
Ils tentent de se faire passer pour des touristes, mais après plusieurs heures d'interrogatoire, l'un d'eux va finir par avouer. Le seul qui a craqué était un rescapé de la Shoah. Dans sa jeunesse, il avait dû se cacher dans une cave et il en était ressorti claustrophobe. Quand le policier l'a fait entrer dans une cellule en sous-sol, il lui a dit « Faites-moi sortir d'ici ». Le policier a compris qu'il avait une opportunité. Il l'a donc laissé enfermer et l'agent du Mossad a fini par lui dire qu'il raconterait tout s'il le faisait sortir de là. Dans les jours qui suivent, l'affaire fait bien sûr la une des médias norvégiens. Et la nouvelle de l'arrestation d'agents israéliens commence à se répandre dans le monde entier. Le QG du Mossad est en ébullition. L'arrestation d'agents en mission est toujours une catastrophe. Mais cette fois, c'est encore pire. Car l'homme qu'ils ont tué n'est pas Ali Hassan Salameh. Ali le Hammer, il y avait peu de personnes de type méditerranéen. Ils ont donc pensé que cela ne pouvait être qu'Ali Hassan Salameh. Il allait avec la description, avec la morphologie, l'âge. Alors ils se sont dit que c'était Ali Hassan Salameh. La victime s'appelle en réalité Armen Bouchiki. Il est franco-marocain, originaire du sud de la France. Il s'est installé ici 2 ans plus tôt et sa compagne attendait leur premier enfant. Il est le frère aîné d'un des leaders, des Gypsy Kings. Quand on a compris que c'était le Mossad qui avait fait cet assassinat, c'était incroyable. On a reçu comme un coup de massue sur la tête et on ne savait pas trop quoi. C'était pour nous, c'était pas possible quoi. C'était pas possible. Les 6 agents du Mossad seront jugés à huis clos. Ils sont tous condamnés pour espionnage et complicité d'assassinat à plusieurs années de prison. Mais 5 d'entre eux seront libérés après quelques mois. La veuve et la fille de la victime obtiendront une réparation financière de la part d'Israël 20 ans plus tard. Mais aucune excuse officielle. Évidemment qu'il y a du ressentiment qui fait qu'il y a une colère énorme. On en veut au Mossad, on en veut à Israël, on en veut à la terre entière. Parce que c'est une injustice incroyable. Après cette bavure, le Mossad fait profil bas pendant quelques temps. Mais il n'abandonne pas sa traque du leader palestinien, Ali Hassan Salameh. 4 ans plus tard, il est à nouveau localisé à Beyrouth, au Liban. À cette époque, le pays est en pleine guerre civile, déchiré entre milices palestiniennes, chrétiennes et pro-syriennes. C'était un contexte très compliqué. Il y avait des barrages tous les 200 mètres, tenus par telle milice ou telle autre. Imaginez l'insécurité pour un agent envoyé à Beyrouth. Qui plus est, un Israélien dans une ville arabe ennemie. À tout moment, il peut être arrêté à un simple barrage. Le temps avait passé. Mais en Israël, on se disait toujours qu'il fallait lui régler son compte. Et donc, tous les moyens ont été mis en œuvre pour le localiser à Beyrouth, l'approcher et gagner sa confiance. C'est une femme qui est envoyée à Beyrouth. D'origine britannique, elle travaille sous le pseudonyme d'Erika Chambers. Elle s'est fait passer pour une travailleuse humanitaire qui venait en aide aux réfugiés palestiniens du Liban. Une couverture qui lui permet de se rapprocher des membres de l'OLP, et notamment d'Ali Hassan Salameh. Elle a réussi à s'infiltrer au sommet de l'OLP et à tisser des liens avec les hommes de l'organisation.
Au bout de quelques mois, Erika Chambers connaît tout des habitudes de sa cible. Salamé est escorté en permanence par ses gardes du corps. Mais il y a une faille dans sa sécurité. Il emprunte tous les jours le même trajet en voiture entre sa planque et le QG de l'OLP. Le 22 janvier 1979, une voiture piégée l'attend sur son parcours. Salamé et ses gardes du corps sont tués sur le coup. La principale cible du Mossad depuis la prise d'otage de Munich est cette fois éliminée. Ça a montré la capacité du Mossad à se focaliser sur un objectif. Qui plus est dans un langage que les Arabes comprennent bien. Il y a un proverbe arabe qui dit « Un bédouin qui se venge après 40 années pense qu'il s'est trop précipité ». Le fait d'éliminer Salamé 7 ans après Munich était un message clair envoyé aux dirigeants palestiniens. Mais l'explosion a aussi fait 4 morts parmi les passants. De nouvelles victimes innocentes qui vont déclencher une polémique en Israël et au sein même du Mossad sur l'emploi de cette méthode expéditive. Les éliminations, ce n'est pas du renseignement, c'est un travail de mafieux. C'est lorsque tu n'as pas d'autre choix. C'est lorsque tu arrives à la conclusion que cette élimination va entraîner un changement significatif au sein de l'organisation que tu combats. On déploie tous les efforts nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'incident. Et malgré cela, ça arrive. Et quand bien même il s'agit là d'une chose terrible, immorale, désagréable, on ne peut rien y faire, car nous sommes en guerre. Et la guerre impose d'envisager n'importe quel moyen ou méthode. Je ne pense pas qu'on puisse mesurer l'efficacité de cette méthode. Je pense que dans un certain nombre de cas, ça a marché. Et dans certains autres, non. La preuve, c'est que le terrorisme n'a pas disparu. Mais sans cela, il y en aurait peut-être davantage. Il faut utiliser cette méthode avec beaucoup de précautions. Il n'y a pas d'homme irremplaçable, même s'il est à la tête d'une organisation terroriste. C'est pour cela que je pense que ce n'est pas une bonne méthode et qu'elle n'est pas conseillée. Elle peut provoquer plus de dommages que de bénéfices. L'objectif de vengeance a été atteint. Mais en cette fin des années 70, c'est un autre combat qui commence pour le Mossad. Jusqu'à présent, Israël était le seul pays au Moyen-Orient à posséder la bombe atomique. Un avantage dissuasif qui pourrait ne pas durer. D'autres pays voisins cherchent à s'équiper, et c'est notamment la France, alliée traditionnelle d'Israël, qui va les y aider. Depuis la création de l'État hébreu, la France a toujours été un partenaire privilégié d'Israël. Il faut se rappeler que la France est le pays qui a aidé Israël à obtenir sa capacité nucléaire quelques années auparavant. Vous nous avez vendu des avions. Nos premiers avions venaient de France. Du très bon armement venait de là-bas. On avait des représentants là-bas. Jusqu'au moment où il y a eu ce discours non amical de De Gaulle envers Israël. Quelques mois après la guerre des Six Jours, le général de Gaulle est furieux qu'Israël ait ouvert les hostilités. Il décrète un embargo sur la vente d'armes à l'État hébreu et tient des propos qui vont choquer l'opinion. Les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire
un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. En Israël, on a entendu des propos antisémites dans cette déclaration. De Gaulle ne l'était pas en principe. Je sais qu'il avait des amis juifs. Et pendant longtemps, il a soutenu Israël. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Ça a provoqué un grand étonnement. On ne comprenait pas ce qui l'avait amené à dire cela. La tension monte encore d'un cran entre la France et Israël lorsque, quelques années plus tard, le jeune leader irakien Saddam Hussein est l'invité du Premier ministre Jacques Chirac. Le voici en visite au centre de recherche de Kadarache, fleuron de l'industrie nucléaire hexagonale. Saddam Hussein est en fait venu signer un contrat d'une immense importance stratégique, l'achat pour plus d'un milliard de francs d'un réacteur atomique de dernière génération qui pourrait faire de lui le nouvel homme fort du monde arabe. Ce projet, c'est la construction d'un réacteur de recherche destiné à donner des moyens importants aux scientifiques irakiens, puisque leur est vendue la copie du plus gros réacteur de recherche français. En Israël, ce contrat avec Saddam Hussein passe très mal. Grâce à ce réacteur, l'Irak pourrait développer l'arme atomique, une menace de plus pour l'État hébreu. Il faut se rappeler que l'Irak était le seul pays qui n'avait pas signé l'accord de cessez-le-feu après la guerre de 1948. Et Saddam Hussein lui-même prononçait sans cesse des discours hargneux contre l'État d'Israël, en disant qu'il allait conquérir Jérusalem. Alors une lumière rouge s'est allumée, et on a commencé à suivre ce sujet sérieusement. Le Mossad se voit alors confier une nouvelle mission: contrecarrer le partenariat nucléaire franco-irakien. Je me souviens de ce que le responsable du Mossad de l'époque, Ofi, nous avait dit lors d'une réunion préparatoire avant une mission. Le terrorisme palestinien, c'est comme la piqûre d'une abeille. C'est désagréable, ça fait mal, mais ce n'est pas une menace existentielle pour Israël. Nous avons des problèmes plus graves à régler. Cela faisait référence au fait qu'un Irak nucléarisé, ça, c'était un danger existentiel. Nous avons signifié aux Français que nous savions que l'Irak avait l'intention de détourner l'usage du réacteur pour obtenir l'arme nucléaire. Les Français ont dit : vous pouvez compter sur nous. Nous sommes vos amis. Nous n'allons pas laisser l'Irak fabriquer une bombe atomique. Ce n'est pas un réacteur destiné à des utilisations ultérieures militaires. Peut-être par les connaissances qu'il donne de la maîtrise de l'énergie nucléaire, on peut toujours considérer que ça fait avancer sur ce chemin, mais ce n'est pas un chemin très direct. Dans un premier temps, l'État hébreu se contente de pressions diplomatiques. Mais avec l'arrivée au pouvoir du nouveau Premier ministre, Mehmet Begin, Israël va durcir le ton. Le gouvernement, et Begin en particulier, ont alors considéré qu'Israël était devenu un sujet marginal aux yeux des Français. Begin en a conclu que la diplomatie ne lui était plus utile. Il a alors fait appel au Mossad. L'organisation ne devait plus se contenter de récolter de l'information, elle devait agir. En mars 1979, plusieurs équipes du Mossad enquêtent dans les Bouches-du-Rhône. Elles ont identifié une société privée qui produit certaines pièces du réacteur
qui doit être livré en Irak. Le Mossad est parvenu à obtenir des informations internes à l'entreprise. Ils ont étudié les paramètres de sécurité du port, les clôtures, la relève des gardes, leur nombre, quel jour il y en a plus, quel jour il y en a moins. Ils ont compris que le moment idéal pour lancer cette opération serait le week-end, car il n'y a alors quasiment personne dans l'entreprise. Alors ils ont opéré durant le week-end. Les agents du Mossad créent une diversion et s'infiltrent dans le bâtiment pour détruire les pièces du réacteur irakien. Une nuit, il y a eu un accident de voiture à l'entrée du port. Une femme est sortie de son véhicule et a commencé à crier sur l'autre conducteur. Et l'attention des gardiens a été attirée par cette scène qui se déroulait devant eux sur la route. Des agents auraient profité de ce moment pour pénétrer dans l'entrepôt où étaient stockées les pièces du réacteur en partance pour l'Irak. Ils ont posé des explosifs, sont sortis. Et quelques heures plus tard, une déflagration a retenti. Ce sont trois charges de plastique qui, en explosant cette nuit, ont détruit un lot très important d'éléments destinés à l'industrie nucléaire. Les agents israéliens quittent la France sans encombre, mais l'opération est un échec. Les pièces de réacteurs détruites n'étaient pas les bonnes. Cette opération n'a pas marché. On a juste réussi à retarder un peu l'envoi des pièces vers l'Irak. Le Mossad change alors de stratégie. Plusieurs dizaines d'ingénieurs français travaillant sur le réacteur irakien reçoivent simultanément des courriers menaçants. Tous signés d'une mystérieuse organisation islamiste d'opposants à Saddam Hussein. Si vous cessez de prêter votre concours à l'effort méprisable de construire cette affreuse arme atomique au service du charcutier de Bagdad, vous et votre famille serez épargnés. Mais si vous décidez de reprendre votre dégoûtant travail, nous ne répondons plus de votre vie, de celle des membres de votre famille et de vos biens. Quelques jours après avoir reçu cette lettre, l'ingénieur est réveillé au milieu de la nuit par un appel anonyme. C'est une voix arabe qui me prévient en français avec un accent. Nous, on s'en prendra à vous, à votre famille, choses de ce genre. Je suis saisi par le fait qu'on me téléphone chez moi. Ça, c'est quand même, on me téléphone chez moi, à mon domicile. Donc là, ça me fait de l'impression. Cette campagne d'intimidation entraînera la démission de plusieurs ingénieurs. Les autorités françaises soupçonnent Israël, mais sans parvenir à trouver les preuves. On n'est plus comme au tout début de l'affaire. On sait qu'Israël se remue beaucoup contre ce projet. Le Mossad est évidemment rapidement évoqué comme possibilité. Le Mossad ne mettra pas ses menaces à exécution, du moins envers les ingénieurs français. Le 14 juin 1980, un éminent savant égyptien se présente avec une jeune inconnue dans un hôtel parisien. Yahya Al-Meshad travaille pour la filière nucléaire irakienne. Ce professeur Meshad avait été choisi par Saddam Hussein pour superviser le programme nucléaire. C'était un élément clé. Une jeune femme aurait attiré l'attention de ce professeur alors qu'il attendait le bus et l'aurait séduit. Le lendemain matin,
l'ingénieur est retrouvé égorgé dans sa chambre. La jeune femme qui l'accompagnait est rapidement identifiée. C'est une prostituée connue des services de police. Elle sera renversée par une voiture à Paris, un mois plus tard, tuée sur le coup. En juin 1981, malgré toutes ces opérations, le réacteur de Saddam Hussein est sur le point d'être mis en service. À un moment donné, le chef du Mossad est allé voir le Premier ministre et il lui a dit « Nous avons échoué. Le réacteur est en Irak. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. On ne peut rien faire de plus. Si vous estimez que ce réacteur doit toujours être neutralisé, il ne vous reste plus que l'option militaire. » Quelques jours plus tard, 8 chasseurs israéliens traversent la Jordanie et larguent leurs bombes sur un site nucléaire irakien, le complexe Ozirak. Il est en grande partie détruit. Cette fois, l'État hébreu est passé à l'action à visage découvert. Stupéfait. Je ne m'y attendais pas du tout à cette énorme affaire d'un seul coup. Et là, bien sûr, je reconstitue le passé et j'attribue au Mossad tout ce qui s'est passé. Là, la démonstration est évidente. L'attaque a tué 10 soldats irakiens, mais aussi un ingénieur français de 25 ans. Son corps a été rapatrié quelques jours après par un avion spécial irakien. C'était évidemment une opération très, très triste, cette rentrée du corps. Un diplomate de l'ambassade a rendu visite à sa famille. Il a exprimé les condoléances de l'État d'Israël. Et il leur a donné une indemnisation importante. Une victime collatérale qui n'aura aucune conséquence diplomatique. François Mitterrand, fraîchement élu, entend renouer les relations entre la France et Israël. Moins d'un an après le bombardement d'Ozirak, il est le premier président français à se rendre dans l'État hébreu. François Mitterrand doit prononcer un discours devant la Knesset, le Parlement israélien, afin de marquer le rapprochement entre les deux États. À cause de cette affaire du nucléaire irakien, les années 70 ont marqué le déclin des relations franco-israéliennes. D'un point de vue politique, d'un point de vue militaire et d'un point de vue du renseignement. Quand Mitterrand est élu, les relations s'améliorent extraordinairement. Je veux vous dire, mesdames et messieurs les députés, l'honneur que je ressens d'être votre hôte et du haut de la tribune qui symbolise votre démocratie, de pouvoir ici saluer en vous les représentants de ce peuple noble et fier dans sa plénitude et sa diversité. Il s'est exprimé devant notre Parlement et il a dit « Les amis, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, je suis président de la France. Je pense différemment. » Après ce discours, la France abandonne définitivement son programme nucléaire en Irak et Saddam Hussein n'aura jamais la bombe atomique. Désormais,
Sur le dossier nucléaire, c'est l'Iran qui va le plus mobiliser les ressources du renseignement israélien. Au début des années 2000, les activités nucléaires en Iran s'intensifient. Le régime des Mollahs pourrait avoir la bombe d'ici quelques années, et le Mossad est mis à contribution, avec de nouveaux moyens. En 2002, le nouveau patron du Mossad, Meir Dagan, place le dossier nucléaire iranien au sommet de ses priorités. Il est clair que tu ne peux pas arrêter ce programme par des opérations éclairs. Tu peux juste le retarder. Il faut monter une stratégie complète, une stratégie secrète. Ça, c'est notre spécialité. Il faut récolter beaucoup de renseignements et déployer de gros moyens opérationnels pour identifier les points sur lesquels frapper. Il faut affaiblir leur motivation, semer le doute sur leurs compétences technologiques, faire entrer dans leur système tout un tas de problèmes. À cette époque, le Mossad recrutait des centaines, voire des milliers d'agents pour réaliser ces opérations. Il leur fallait des bureaux. Ça coûtait beaucoup d'argent, des milliards et des milliards ont été dépensés. Quatre ans plus tard, le Mossad est tellement en pointe sur le dossier nucléaire iranien que c'est lui qui influence les décisions de la communauté internationale. Dagan a créé à l'intérieur du Mossad une équipe chargée d'examiner les sanctions économiques. Quelles sanctions fallait-il appliquer en Iran ? Sur quelles entreprises ? Sur quels individus ? Cette unité du Mossad transmet ses conseils aux Américains et aux Européens. Et c'est comme cela que les sanctions sont de plus en plus pesantes. Les sanctions sont devenues internationales grâce à l'action du Mossad et de Meir Dagan. En parallèle, le service de renseignement israélien mène de nouvelles opérations secrètes de déstabilisation et d'assassinat. Meir Dagan pense que l'assassinat reste un moyen efficace et nécessaire dans l'activité secrète. Entre 2007 et 2010, on a eu environ une dizaine d'assassinats et de kidnappings qui concernaient les savants qui étaient impliqués dans le programme de développement nucléaire. L'objectif était de retarder le processus, car lorsqu'un individu était éliminé, ça prenait du temps de lui trouver un remplaçant. Il n'existe pas d'aveu officiel de l'État d'Israël ou du Mossad comme étant responsable de ces actes. Et il n'y en aura pas, parce que c'est la nature de cette guerre secrète. Autre stratégie du Mossad, créer de fausses sociétés de sous-traitance pour vendre du matériel défectueux aux scientifiques iraniens. Ils vendent de vrais produits. Parce que quand tu montes une entreprise comme celle-ci, tu as besoin de la rendre crédible. Les Iraniens ne sont pas bêtes. Ils vont dire « donnez-nous des références ». Avec qui d'autre avez-vous fait affaire ? Il faut donc créer de l'activité. Il faut du courrier. Il faut qu'il y ait des bureaux. Il faut de l'équipement. Cela prend du temps. Petit à petit, tu parviens à gagner la confiance des Iraniens. Tu leur vends de bons équipements et encore de bons équipements. Et lors de la dernière transaction, tu livres un produit défectueux. Ils l'installent et rien ne fonctionne. En fait, cet équipement a été conçu pour endommager leurs installations. Thank you.
Malgré toutes ces entreprises de sabotage, l'Iran ne cède pas. Au contraire, en 2008, le nouveau président Ahmadinejad fait visiter ses installations nucléaires aux médias. L'Iran n'a jamais été aussi proche du but. Il veut faire passer un message aux yeux du monde et prouver que le programme nucléaire est en marche et qu'il a la capacité de produire de l'uranium enrichi. En parallèle, il menace directement Israël. La tension est extrême entre les deux pays. Le régime sioniste est en bombast complet et, par le fazl élohi, in arzoui to به زودی محقق خواهد شد و این جرثومه فساد از صفحه روزگار محو خواهد شد. Face à ces menaces, le Mossad va passer à la vitesse supérieure et se spécialiser dans une arme d'un nouveau genre, le piratage informatique. L'armée israélienne a des unités technologiques très développées, la plus connue étant l'unité 8200, qui est spécialisée dans la cryptologie, l'espionnage. Pendant la Première Guerre mondiale, on était à cheval. Et lorsque le tank est arrivé, il a complètement changé les campagnes militaires, car il a permis d'avancer plus vite, de tirer plus vite. C'est la même chose pour le cyber. Il a introduit une nouvelle dimension. Nous avons surtout perçu son potentiel offensif. Nous avons donc travaillé sur les outils qui nous permettaient de collecter des informations ou de perturber des systèmes informatiques. Depuis 2006, aidé par les services américains, le Mossad travaille sur un puissant virus informatique qui pourrait attaquer le programme nucléaire iranien de l'intérieur. En 2008, ce virus est opérationnel. Son nom de code, Stuxnet. Cette nouvelle arme est un ver cybernétique hautement sophistiqué qui a la capacité de complètement chambouler le matériel industriel. C'est une arme qui ne peut pas être conçue par de simples hackers, mais des experts de haut niveau en cybernétique. C'est un sous-traitant asiatique qui aurait, sans le savoir, introduit le virus dans la centrale de Natanz. En quelques heures, c'est tout le système qui est corrompu. Ce virus, en fait, agit sur le système de rotation des centrifugeuses. Et l'idée est de dérégler complètement ces centrifugeuses, de sorte que les savants iraniens se retrouvent complètement désarmés et ne comprennent pas d'où viennent cette panne du système. La sophistication absolue de Stuxnet fait qu'on ne peut pas savoir d'où vient ce dérèglement. Le mystérieux virus se répand pendant des semaines, endommageant une à une les installations iraniennes. L'idée n'était pas seulement de causer des dégâts matériels aux centrifugeuses, mais aussi des dégâts psychologiques. Ne pas trouver l'origine de la panne devait les rendre fous. Les ingénieurs pensaient qu'ils étaient incompétents. Et cela créait une défiance entre la communauté scientifique iranienne et ses dirigeants. À cause de ce virus, le programme nucléaire iranien prend du retard. Mais il n'est pas totalement arrêté. Le patron du Mossad, Meir Dagan, décide alors de frapper encore plus fort. Dagan subissait une très lourde pression du Premier ministre Netanyahou, qui lui demandait sans cesse des résultats. Dagan est devenu nerveux. Il a donc introduit une version du virus plus agressive. On estime qu'il y aurait eu 4 injections de ce virus. La dernière injection aurait été d'origine israélienne. En réalité, sans avoir réellement l'accord des Américains. Cette fois,
Le Mossad a apparemment franchi la ligne rouge. Ce nouveau virus plus puissant va non seulement infecter tous les ordinateurs de la centrale, mais également se répandre dans le monde entier. Toute cette entreprise de sabotage va finir par porter ses fruits. Après 10 années de guerre secrète intensive, doublée de lourdes sanctions économiques, l'Iran accepte de négocier un accord avec la communauté internationale pour stopper son programme nucléaire militaire. En juillet 2015, les représentants de Téhéran rencontrent à Vienne ceux des principales puissances mondiales. Nous avons atteint notre objectif. Nous avons défini la menace. Nous avons créé un plan d'action. Nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'ils n'arrivent pas là où ils souhaitaient arriver, au moment où ils souhaitaient y arriver. Nous avons fait en sorte que les Iraniens soient obligés d'accepter cet accord. L'accord historique est signé le 14 juillet 2015. L'Iran s'engage à limiter sa production d'uranium enrichi et renonce ainsi, au moins provisoirement, à élaborer une arme atomique. En échange, les sanctions économiques sont levées. Mais en Israël, la plupart des dirigeants considèrent que cet accord est mauvais. L'Amérique de Barack Obama n'aurait pas obtenu assez de garanties de la part du régime des Mollahs. Les Américains ont accéléré le processus, car Obama voulait que l'accord soit signé durant son mandat. Les Iraniens sont très intelligents. À partir du moment où ils ont réalisé que les Américains étaient encore plus motivés qu'eux par cet accord, ils ont compris que les cartes étaient entre leurs mains. Ils ont donc signé un accord qui les arrange. Pourquoi ? Parce qu'il leur permet de continuer à développer lentement leur nucléaire militaire et leurs missiles. Il leur permet de continuer à participer à des opérations internationales, comme la guerre en Syrie. Le Mossad reste donc mobilisé sur le programme nucléaire iranien. C'est ainsi qu'en 2018, il parvient à voler à l'Iran 500 kilos de documents compromettants. Un coup de communication qui aidera le président Donald Trump à mettre un terme à cet accord 3 ans seulement après sa signature et ainsi relancer les sanctions économiques envers le principal ennemi d'Israël. Le défi le plus important du Mossad dans les années et peut-être les décennies à venir, c'est les menaces existentielles qui pèsent sur l'État d'Israël. Donc c'est notamment aujourd'hui la puissance iranienne. Je crois que le renversement viendra de l'intérieur et que seul le peuple iranien peut rejeter ce monstrueux pouvoir iranien. Peut-être qu'il faudra l'aider un peu. Si vous me demandez vers quoi nous devons nous diriger dans 10-15 ans, je dirais que nous devons nous diriger vers une paix avec un État palestinien et les pays arabes sunnites. À ce moment-là, nous serions tous unis contre la menace de l'Iran chiite. Il nous est défendu de baisser les bras. Nous nous retrouverons dans une situation bien plus délicate encore.